On va voir la lune. Donc là, je vais commencer par, bizarrement, j'ai envie de commencer par faire les ombres. Et après, je ferai les éclaircissements. Voilà. Soit on commence par le clair, soit on commence par le sombre. Aujourd'hui, comme j'ai fait un fond pâle et gris, je vais faire les zones d'ombre. Certaines zones d'ombre, pas toutes, attention. Allez. Bon, voilà ce que ça donne à peu près. Hein. Je sais pas. Ceux qui ont reconnu le dessin peuvent le mettre en commentaire. Enfin non, non. Normalement vous avez le titre de la vidéo, donc je suis con. Donc voilà. Continue. Bon, on est un peu fini pour les ombres là. Je pense que c'est suffisant. On va passer un petit peu au blanc. On va délimiter toutes les arêtes avant que la lumière ne change par rapport aux ombres. Ce serait con d'avoir des ombres et pas les arêtes qui vont avec. C'est pour ça que dans le dessin lunaire, il faut être super rapide. Là ici, 16 minutes, c'est déjà un peu long. Voilà. J'ai utilisé un crayon type Shark Kohl hard, donc voilà, mise au point.
ça commence à prendre forme, tranquillement. Il y a Maurice. 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 Maurice, oh, tu fais des bisous. On a dû faire la promenade quand même. Alors, c'est une deuxième promenade au clair de lune. Bon, t'es un romantique. Ah oui, lave-moi bien les oreilles. Voilà, c'est bien. Allez, hop. On met bien la caméra. Et on se revoit dans pas longtemps. Je suis désolé pour la caméra, elle bouge. Le réglage caméra est difficile. Bon, voilà. Donc vous avez reconnu ici la falaise de l'Altaï. Bon, il reste un petit peu de choses à faire. Et quelques petites... estompage et puis texturage du plafond, enfin du plafond, du plancher, pas du plafond, enfin, n'importe quoi, du plancher lunaire, hein, pour lui donner un aspect réaliste, même si c'est pas vraiment ce que je vois, c'est plus dans l'impression, hein, quand on fait un dessin. Soit on est très rigoriste et là on devient fou parce qu'on n'y arrive pas, ou soit on est dans la sensation, dans l'à peu près, dans le voilà, cette petite expression de l'âme qu'est l'astrodessin. C'est un peu de moi, voilà, c'est ce que je ressens, c'est un peu de mes émotions. C'est pas forcément la réalité, même si ça s'approche quand même pas mal du modèle que je vois à l'oculaire, hein, bien sûr. Je dessine pas n'importe quoi. Mais voilà. Voilà les amis. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis vous avez quand même pu voir mon petit montage. Hein, donc une pince. Voilà. Ici, j'ai. Hop. Alors ça vient d'un cadre photo. Vous savez, quand vous achetez des cadres photo, parfois il y a une photo d'un bonhomme ou d'une bonne femme, voilà, et puis vous avez un cache rond pour faire joli. Ben ça, c'est un cache qui vient d'un cadre photo que j'ai acheté chez Action. Voilà, vous le trouverez là-bas. Donc c'est du carton, hein, c'est rigide. Hein. Vous avez ensuite la planche, enfin la feuille bien sûr, hein. Et en dessous, vous avez la planche. Alors la planche, c'est quoi? Eh bien, c'est ni plus ni moins que la planche du cadre photo. Vous avez un côté qui est rugueux et un côté qui est lisse. Voilà, donc là, vous n'aurez aucun souci pour dessiner. Il n'y aura pas de traces, hein, de bosses. Voilà. Allez, moi je vous dis à bientôt. Donc là, la lune va se coucher. Donc, pas moi. Hein, je vais continuer à faire un petit peu d'astro. Donc là, c'était in extremis, hein, de faire un petit astro-dessin lunaire. Mais voilà, je vais continuer avec du ciel profond. Voilà, allez. Pour prendre un petit café, voilà. Puis d'aller promener Momo, parce que visiblement, il veut aller se promener une deuxième fois. Allez, ciao.